Et bonjour, croyez-vous à la réincarnation? Moi, oui, j'ai déjà eu des preuves. Donc en allant faire les courses, deux ou trois courses le 31 décembre, sur le chemin il n'y avait rien, et au retour, donc on trouve ce pigeon qui avait plein de, comment on appelle ça, de fientes collées sur ses deux pattes, hein. D'une grosseur d'une balle de ping-pong. C'était atroce, pêcheur. Il pouvait même pas marcher. C'était lourd, mais vraiment lourd pour lui. Donc on l'a pris, comme j'expliquais, dans la communauté. Donc ma fille a passé 2h30, 3h, à enlever petit à petit la fiente, tellement c'était dur, dur comme du plomb à gratter avec le tournevis, en essayant de ne pas le blesser, bon, etc. Ensuite, personnellement, je pensais le sauver, hein, parce qu'il avait l'air, au début, il n'était pas bien, le pauvre, il ne bougeait pas. Mais après, une fois que je l'ai lavé, qu'il était propre, qu'il n'avait pas de bestioles dans les plumes, il a mangé, il allait super bien. Et là, donc, dans cette vidéo, l'entité donc me prévient, de toute façon, qu'il va partir. Et cette entité, pour moi, c'est dingue ce que je vais vous dire, mais bon, c'est en fait, ce pigeon, c'était une femelle. Et il y a une dame, une femme qui parle et qui dit sauvez-moi, quoi, et sauvez-moi, voilà. Et je suis persuadée qu'en essayant de sauver ce pigeon, c'était l'âme de cette femme. Et naturellement, il est mort le lendemain. Et pour moi, en fait, j'ai libéré cette personne qui était à travers ce pigeon, tout simplement parce que je l'ai magnétisé. Donc j'ai prié pour ce pigeon et je l'ai accompagné parce que il est mort dans mes bras, en fait, un pêcheur a agonisé pendant une demi-heure. Mais voilà, je ne l'ai pas laissé seul. Je l'ai accompagné, voilà, tout simplement. Et Pierre, en fait, c'est mon ami. Voilà, qui est décédé d'un cancer il y a quelques années et qui vient de temps en temps me voir. Ah, d'accord. Tiens, vas-y, largue-le. Que c'est joli. C'est encore un, tu n'as pas encore les plumes qu'il faut. T'attends encore un peu à ton te libère, hein. C'est beau. Beau ou belle, je ne sais pas. Bon, écoute. Pour l'instant, on te laisse là.